l'a surnommé Black Moses, le Moïse noir ou The Man. À 63 ans, Isaac Hayes est un dieu vivant de la soul. Who's your black private bitch? You sex and shit all the church. That would risk his neck for another man. Can you dig it? You want a bit of smoke? Parti en fumée. Up the nose. Ou dans le nez. But you know. Mais tu sais, on n'a pas tous perdu nos rêves. Not all people lost a dream. Not all people did. Même si beaucoup les ont oubliés. But so many of us did. Brother Isaac Hayes! Le rêve d'Isaac Hayes, c'était ça. En août 72, 7 ans après les émeutes de Watts, le festival Wattstax est une réplique noire à Woodstock, au cœur du ghetto de Los Angeles. Tous les plus grands de la soul y défilent. Ce jour-là, il incarne la fierté noire après 20 ans de lutte pour les droits civiques. Là-bas dans le sud, quand t'étais noir, et comme moi né à la campagne, tu ramassais le coton. Mon premier job, c'était pour mes grands-parents. Ils étaient paysans. Je me souviens que ma grand-mère nous donnait des bonbons en échange. Orphelin, élevé par ses grands-parents dans le Tennessee, Isaac Hayes arrive à 7 ans à Memphis. Dès le milieu des années 50, c'est la Mecque du rock'n'roll, destinée à un public blanc. En 57, dans un cinéma désaffecté, Jim Stewart et sa sœur Estelle montent Stax, un label de musique noire. Réunis dans la Stax Family, Booker T and the MGs, Rufus et Carla Thomas, Wilson Pickett ou Otis Redding accompagnent le rhythm and blues vers la soul. Je suis allé passer pas mal d'auditions chez Stax. À chaque fois, ils me viraient. J'y suis allé avec un groupe de blues, de doo-wop, et puis avec un groupe de gospel. Et à chaque fois, on s'est retrouvés dehors. Et puis un jour, Jim Stewart est venu me voir. C'était le mec cool. Il me dit, « Hey, j'aime ta façon de jouer. Booker T est absent, il est à la fac d'Indiana. Ça te plairait d'être musicien de studio pour nous ?» Je me suis retenu. J'ai juste dit, « Ouais, ça me plairait bien. » En essayant de garder mon sang-froid. À 21 ans, Isaac intègre Stax comme pianiste. Il s'associe à un copain de classe, David Porter, et compose avec lui les hits des plus grandes stars du label comme Sam and Dave. Surfant sur ses succès, il se lance en solo dès 67. Deux ans plus tard, son album Hot Buttered Soul, La Soul au Beurre Chaud, est en tête des charts. Il fait sa première télé. Please walk on by. Walk on by. Foolish pride for the song that I have left. So just let me hide the tears and the sadness you gave me. You put the hurt on me. You sucked it to me, mama. When you said mais le 4 avril 68, c'est le choc. J'arrive chez Stax et je dis, salut mec, on va bosser? David avait l'air de mauvaise humeur. Je lui demande ce qui se passe. T'es pas au courant? Quoi? Martin Luther King vient de se faire descendre au Lorraine Motel. Mon Dieu, j'étais choqué. Tout s'est effondré. J'oublierai jamais ce jour-là. J'ai pas pu écrire pendant un an, et puis je suis devenu militant.
L'assassinat du leader non violent de la cause noire dans un motel de Memphis est un tournant décisif pour le Black Power. Alors que les émeutes explosent dans les ghettos noirs, les Black Panthers, s'appuyant sur l'héritage de Malcolm X et du petit livre rouge de Mao, défilent jusqu'à Washington. Stax écrit la bande-son de cet activisme afro-américain, le mot d'ordre du label « I'm Black and I'm Proud ». Militant, Isaac Hayes est de tous les combats avec son groupe The Black Knights, les Chevaliers Noirs. Un engagement qu'il porte jusque dans ses tenues de scène comme ici à Watts Stax. Moi, je portais ces chaînes parce qu'elles signifiaient la rue, le pouvoir et la liberté. À une autre époque, elles représentaient les entraves des Noirs. J'ai viré mon habilleuse parce que j'ai vu des photos plus tard. Une fille m'a donné un grand tirage, 50 par 70. C'est collant. On voyait à travers. Mon Dieu. Oh my God. Avec la BO de Shaft, Isaac Hayes devient une star de la Blaxploitation. Couronné aux Oscars, aux Grammys, il est partout. Son garde du corps lui donne un nouveau surnom, Black Moses. Il me fait « Mec, on t'adore, t'es comme Moïse, mec. Ouais, t'es Moïse. » Et moi j'ai dit « C'est sacrilège, mec, dis surtout pas ça. » Cassé, ruiné, KO, Isaac dégringole après Watts Stax. En 95, il échoue dans l'église de Scientologie, la secte créée en 51 par Ron Hubbard, gourou hollywoodien en guerre contre la psychiatrie, ex-auteur de Pulp Stories de science-fiction. Ça m'a rendu plus sage, plus tourné vers l'éducation. Ça a amélioré mon QI. Après mon mariage, j'ai appelé toutes mes ex pour m'excuser, mes premières épouses, parce que je ne m'étais pas encore trouvé. Je ne pouvais pas voir. Mais la scientologie a éloigné tous ces mauvais trucs de moi. Artiste, producteur, chanteur, auteur, héros, mentor, Isaac Hayes. Pour la nouvelle génération de Public Enemy au rappeur du Wu-Tang Clan, Isaac Hayes restera toujours le Moïse noir. Le combat te rend plus fort. Et je continue à me battre.